unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. It is the middle ground between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the bite zone. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous venez de quitter le CPE Lyon. Il va être important pour la suite des opérations que vous gardiez votre calme, car vous venez d'être projeté dans une nouvelle dimension que l'on appelle l'IT Zone. Et vous voici maintenant, en 50 après Unix, dans un petit pays de l'Europe de l'Ouest qui s'appelle la Gaulerie. Et vous voici maintenant chargé de mission au sein de son ministère de l'Éducation. Le ministère de la Gaulerie a décidé de se lancer dans la réforme de son système éducatif et vous apprenez par le biais de votre supérieur que vous allez devoir organiser un colloque dont le but est de réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Comme dans toute organisation qui se respecte, le top-down n'est jamais loin. Et vous apprenez aussi que vous allez devoir faire appel à des cabinets de conseil externes pour mener cette réforme. Vous n'avez même pas le temps de protester, que vous apprenez que cette directive émane directement de Jupiter lui-même. Vous glissant au passage de glisser le cabinet McKinney dans l'appel d'offres parce qu'ils nous font un petit prix d'amis à 500 000 euros. Alors McKinney, vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux, mais vous ne savez pas réellement ce qu'ils font. Vous décidez donc d'aller sur leur site internet. Donc, on m'entend, un, deux, oui. Donc pour l'instant, vous apprenez pas grand-chose, hein. Il y a un arc de triomphe, il y a un petit côté winner. Mais ce que vous remarquez notamment, c'est que dans l'IT Zone, Gaulerie, ça s'écrit France, et McKinney avec un S qui ne se prononce pas. Ça, c'est pour éviter toute poursuite judiciaire à la suite de Stock. Donc le but, c'est de savoir comment ils peuvent vous aider dans une réforme de l'éducation. Donc vous allez un petit peu scroller. Et là, première proposition de valeur. On vous explique qu'ils sont partenaires de leurs clients, rôle d'accélérateur de l'innovation sur 200 domaines d'expertise. Donc c'est a priori un très gros cabinet de conseil. Cependant, il y a quand même quelque chose qui amène de la confusion, c'est qu'on vous met en gros qu'il y a 5000 profils technologiques. Bizarre, 200 domaines d'expertise, pourquoi on met plus ça en valeur que d'autres? Bon, surtout que ça ne vous concerne pas, vous êtes dans l'éducation. En scrollant un petit peu plus, on veut créer de l'empathie avec vous, on vous présente leurs équipes, alors qu'on s'entende bien, hein. Ce n'est pas n'importe qui. Ici, on a la directrice générale de McKinney en Gaulerie, un membre du conseil d'administration et la chef du pôle d'activité d'assurance. Et vous remarquez aussi que chacune de ces personnes a une page qui leur sont dédiées. Il y a sûrement des choses très intéressantes à dire sur ces personnes-là, mais c'est sûrement des gens que vous n'allez jamais rencontrer, donc ça ne vous aide pas plus. Donc revenons sur la page principale, premier call to action, voir d'autres profils. Et là, il ne s'agit toujours pas de n'importe qui, hein. Ce sont les directeurs et directeurs seniors. Mais ce que vous remarquez, c'est qu'ils sont chacun en fait dédiés à un pôle, le McKinney Cancer Center, a priori ils ont des médecins, le digital, donc il y a des gens qui font des choses avec leurs doigts chez eux, et puis l'industrie des biens de grande consommation et du luxe. Donc vous vous demandez si par hasard il y aurait des gens dédiés à l'éducation, l'enseignement. Bon, c'est mal barré, mais c'est pas grave, on va s'accrocher. On va revenir sur la page principale. Et là maintenant, on a démonstration de savoir-faire avec leur publication. Donc ici, croissance durable en Europe, ça ne vous concerne pas. Encore du digital. Vaincre le cancer, donc a priori il y a vraiment des médecins chez eux, et puis le métaverse, ils sont peut-être pas encore au courant. Et là, on vous invite à aller travailler chez eux. Pourtant, vous n'êtes pas vraiment le profil, hein. Vous êtes un client potentiel. Du coup, ce que vous posez comme question, mais à qui est destiné ce site? À des clients où on roule un petit peu des mécaniques pour attirer de nouveaux talents? Donc c'est très confus tout ça. Ça finit par la position de leurs locaux dans la capitale. Et là, ça fait bien 5 minutes que vous êtes sur le site et vous ne savez toujours pas comment ils peuvent vous aider sur ce sujet-là. Mais vous vous rappelez qu'en arrivant sur le site, il y a un menu. Pardon, très ergonomique, il est là. Donc ce menu vous dit, venez découvrir notre métier. Allons-y. Et là, il y a des boules en 3D qui tournent.
Donc, qui laisse un petit peu penser que, bah, quelque part, ils essayent vraiment de renforcer leur image sur un positionnement tech, mais c'est encore quelque chose qui ne vous concerne pas. Cependant, là, il y a une petite flèche qui vous indique de scroller, et là, vous apprenez qu'ils sont organisés selon une structure organisationnelle matricielle, ce qui vous fait une belle jambe. Cependant, avec des pôles de compétences sectorielles et fonctionnelles. Cependant, on a enfin la page dédiée à l'éducation, où là, il y a la démonstration de savoir-faire, les témoignages de leurs clients, etc., etc. Et pour ne pas changer une formule qui gagne, on va terminer avec les partenaires et les seniors partenaires, qui sont le haut de la chaîne alimentaire des consultants. Les petits business analysts ne seront pas sur ce site. Donc, en définitive, vous avez plus appris sur la hiérarchie de McKinney, en partant du haut, et leur organisation matricielle dans un premier temps, que sur la manière dont ils peuvent vous apporter de la valeur. Donc, vous repartez un petit peu avec une sensation un peu amère de frustration, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir très bien investi votre temps là. Et ça, ce n'est pas dû au hasard. C'est dû au fait que vous venez de vous frotter à l'IT Zone. Donc l'IT Zone, c'est un monde où science et croyances ne se mêlent pour ne faire plus qu'un, où il existe des lois qui vont pousser les gens, en fait, à produire les choses d'une certaine manière sans qu'ils en aient conscience. Parce qu'on pourrait blâmer les UX designers de McKinney pour cette piètre user experience, mais en réalité, il y a un phénomène qui explique pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. Pour l'expliquer, eh bien, il va falloir revenir un petit peu dans le passé. Notamment en 1998, le New York Times publie une qui va changer la face de l'IT Zone. Notamment en mettant en valeur les exploits du docteur Jacob Nielsen, qui, comme sa photo ne l'indique pas, n'est pas la personne qui a inventé la souris. Pourtant, il a l'air très content d'en tenir une dans les mains. Alors là, j'ai un truc qui ne s'affiche pas. Voilà. Donc, à l'époque, le docteur Jacob Nielsen était considéré comme le gourou de l'ergonomie de la page web, là, comme vous pouvez le voir. En d'autres mots, c'est un pionnier de la user experience. Il s'était lancé comme mission de rendre le web plus utilisable. Il avait notamment remarqué dans les années 90 que les entreprises qui développaient leur site internet avaient tendance à vouloir optimiser un indicateur d'indexation des moteurs de recherche qui s'appelle le SEO. Vous avez déjà entendu parler du SEO ? Bah en fait, c'est pas réellement ça. C'est un truc un peu plus vieux. C'est le CIO. Déjà entendu parler de ça ? Ouais, c'est le C-Level Ego Optimization. Alors, c'est un vrai truc. Hein. C'est un an plus tôt, en 97, dans un article qui s'appelle Top 10 Mistakes of Web Management, son top numéro 3, c'est le fait de laisser la structure de son site refléter la structure de son organisation. Il explique qu'un utilisateur s'en fiche de savoir comment votre compagnie est organisée, donc il ne devrait pas être capable de déduire la structure de votre organisation à partir de la structure de votre site. Et qu'un signe classique de ce mauvais pattern, c'est lorsque sur la home page, vous avez un bouton pour chacun des seniors vice-présidents de la compagnie. Chose que vous n'êtes toujours pas du tout de vivre à l'instant en 2023. Il est rejoint par un de ses confrères, un autre pionnier de la user experience, le docteur Nigel Bevan, qui, dans un papier de avril 1998, Usability Issues in Website Design, explique pourquoi les sites sont si frustrants et difficiles à utiliser, notamment parce que les organisations produisent souvent des sites dont le contenu et la structure reflètent des intérêts internes de l'organisation plutôt que les besoins de l'utilisateur sur le site. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, en gros, on sait faire de la tech et vous en fichez, et c'est aussi pour ça qu'on vous dit que ça recrute alors que vous n'êtes pas vraiment le persona pour ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en 2023, on en soit encore là, alors que ce sont des pratiques qui sont, qu'on connaît depuis les années 90. Alors que vous cherchez à en savoir plus, voici projeté dans une nouvelle époque de l'IT Zone. Voici maintenant à Redmond aux États-Unis, dans la région de Seattle, en 38 après Unix en 2008. Et vous êtes maintenant directrice ou directeur marketing chez Microsoft. Et vous êtes en train de peaufiner la stratégie commerciale du nouveau fleuron de Microsoft, qui est 2008, Windows Vista. Mais alors, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui rigolent. Mais c'est alors que votre boss déboule furieux dans votre bureau parce que un de vos concurrents vient de publier ce petit spot publicitaire. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Here with good news for anyone who's ever been frustrated by Vista. Oh, you're fixing the problems. No, I'm making them easier to live with my new line of calming teas. There's Crashy Time Chamomile, just the thing to soothe the nerves after a Vista-related crash.
Or if Vista's making your applications run slow, there's pomegranate patience. Now, mornings are raspberry restart time for me. That's great, PC. Also afternoons, but... We should move on. Yes, let's move on, Mac, to my line of Vista stress-relieving bath salts. Il s'agit d'un vrai spot publicitaire, ils en ont fait plusieurs comme ça à l'époque. Donc c'est une catastrophe. Votre concurrent se moque des tout petits déboires de votre nouveau système d'exploitation. Car en effet, vos utilisateurs et utilisatrices, las des plantages en série et des incompatibilités matérielles, décident de revenir sur votre OS précédent qui est Windows XP. Mais même pour la première fois, vous avez certains de vos clients qui décident de passer à la concurrence de la pomme croquée. Et la pression est telle que vous êtes obligé de laisser les constructeurs d'ordinateurs vendre de nouvelles machines sur votre OS précédent. Donc je ne dirais pas que c'était un échec, mais ça n'a pas marché. Mais dans ces déboires, en fait, deux chercheurs de chez Microsoft et l'un et un de l'université du Maryland se demandent si rétrospectivement, on ne pouvait pas trouver sur Vista, on ne pouvait pas en profiter pour évaluer les indicateurs de qualité qu'on utilise d'habitude dans le logiciel et pour voir lesquels seraient des bons prédicteurs de bugs en prod. Notamment, ils ont parcouru les 3404 modules de Vista, que composent les 50 millions de lignes de code. C'est quand même un très gros bébé. Et ils savent rétrospectivement quels sont les modules qui ont eu beaucoup de bugs en prod. Donc ils se sont dit, allons voir un truc comme le code coverage et voyons s'il y a une corrélation entre 20% de coverage. Alors, vous voyez tout ce que c'est le coverage, c'est le taux de couverture en test du code que vous avez écrit. Et y a-t-il une corrélation forte entre le fait d'avoir 20% de coverage et le fait d'avoir des bugs en prod? Donc ils ont eu plusieurs indicateurs, le code churn, code complexity, c'est la complexité cyclomatique, trop de if et de for qui sont imbriqués. Dependency, c'est le couplage fort. Et pré-release bug, c'était le nombre de bugs détectés avant la release. Et ils se sont demandé lesquels étaient les plus précis. Mais ils vont faire un truc pas très, un peu orthodoxe, c'est qu'ils vont rajouter un indicateur supplémentaire qui n'a rien à voir avec la technique, qui est la structure de l'organisation. Donc, ce qui, en gros, pour avoir là un bon indicateur, il faut qu'en termes de score, dans chacune des colonnes, on soit le plus proche de 100%. Donc, ils ont fait leur étude et il s'avère que c'est l'organisation de structure qui a le meilleur score. Donc, dans cette étude de 2008, qui s'appelle The Influence of Organization Structure on Software Quality in Empirical Case Study, les chercheurs ont démontré dans le cas de Windows Vista que la structure de l'organisation était un meilleur prédicteur de bugs en prod que le code coverage. Donc, pour paraphraser Peter Drucker, Organization is code quality tool at breakfast, autrement dit, c'est pas Sonar qui va vous sauver si vous faites du safe. Désolé, c'était facile. En réalité, les chercheurs cherchaient à vérifier un postulat qui avait été édicté plusieurs années avant ça, en 1975 par le docteur Frederick Brooks dans The Mythical Man Month, donc le mythe du jour homme, pour ceux qui connaissent ce bouquin, où il expliquait que la qualité du produit était grandement affectée par la structure de l'organisation. Au passage, ce livre est très fortement dérecommandé aux adeptes du diagramme de Gantt. Le risque de malaise vagal est trop important dans leur cas. Est-ce que vous sentez ce petit picotement derrière la nuque? Ça, c'est parce que vous venez d'être projeté encore une fois dans une nouvelle époque. Ça, c'était pour être sûr que tout le monde se réveille. Et c'était le son du RERA qui vous amène en gare de la Défense, plus particulièrement à Courbevoie en 46 après Unix, soit en 2016. Et vous êtes maintenant architecte au sein d'une grande multinationale qui fait du voyage en ligne. Votre entreprise vend des billets de train à travers le monde entier. Et il s'avère que la manière de vendre du tien selon le pays, c'est pas du tout, enfin, c'est complètement différent. Mais comme votre entreprise ne veut pas faire du code custom, elle a décidé d'amener une expérience unifiée pour ses utilisateurs et utilisatrices et de mutualiser au maximum les développements. C'est pour ça là que, en tant qu'architecte, vous avez défini cette architecture. Donc la UI, Rail Shopping, c'est toute la logique métier qui permet de réserver du train. Et Rail Supply, c'est une API unifiée qui permet de s'interconnecter avec tous les transporteurs, la SNCF en France, la SNCB en Belgique, ils ne sont pas très originaux, et puis Renfe en Espagne, etc., etc. Donc ça fait 3 ans que vous avez défini cette architecture, et en bonne ou bon architecte, vous décidez qu'il est temps de descendre votre tour d'ivoire pour aller voir ce que les développeurs ont fait, et les développeuses ont fait. Vous avez notamment eu vent qu'il est de plus en plus difficile de maintenir ces composants en production. Bizarre. Et en jetant un œil au code, stupeur,
il a été produit exactement ce qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire que chacune des briques était découpable par pays. Et certaines fonctionnalités se sont vues dupliquées dans certaines briques. Mais que s'est-il passé? Est-ce un manque de maturité des équipes de développement? Il s'avère qu'après quelques investigations, cela venait d'une fausse croyance du management qui s'appelle la feature team. Alors, c'est un mauvais usage de la feature team, mais en gros, si vous ne voyez pas ce que c'est, une feature team, c'est un pattern qui est censé amener de l'autonomie à des équipes en étant capable de travailler dans toutes les couches du SI pour implémenter une feature qui devient très vite tout un projet. Et qu'une fois que la feature ou le projet est implémenté, elles vont implémenter autre chose et on ne sait pas qui va maintenir le truc. Mais il s'avère que dans ce cas-là, en plus, le management disposait de 3 équipes. Et la stratégie de mise en prod, c'était de faire un premier MVP pour la France, un deuxième un peu plus enrichi pour le Royaume-Uni et pour finir, l'Allemagne. Ils se sont dit que c'était plus simple de mettre une équipe par train nationaux. Mais il s'avère que chacune de ces équipes avait des managers différents, des deadlines différentes, des objectifs différents et était sur des time zones différentes. Mais elles devaient toutes coder au même endroit. Donc qu'est-ce qui s'est passé très naturellement et très humainement? C'est qu'elles se sont dit, on va faire en sorte de ne pas casser les copains et les copines. Donc on va sécuriser avec un if mon pays. Et on en arrive là. Mais le pire dans cette histoire, c'est que l'ownership des composants n'étant pas clair du tout, personne ne veut payer le coût de l'assainissement. Donc il semblerait que l'IT Zone essaye de vous envoyer un message. Il semblerait que l'expérience utilisateur, la conception produit, la qualité du produit et du code et l'architecture sont grandement impactés par votre organisation. Et de fois de manière plus significative que votre bonne pratique. Donc qu'est-ce qui pourrait expliquer ça alors que là pour l'instant on n'a vu que des effets? Pour trouver une explication, il faut remonter encore plus loin, 1968, le docteur Melvin Conway publie un article qui s'appelle « How do communities invent ?» dans la revue Datamation, et il s'intéresse à la manière dont les entreprises ont à designer des systèmes. On va prendre un système e-commerce, constitué de 4 sous-systèmes pour simplifier. User, la gestion des utilisateurs. Shopping, c'est les fonctionnalités de « je rajoute des produits dans mon panier ». Paiement et billing, la facturation. Et un système, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être un produit logiciel, ça peut être votre téléphone, ça peut être une voiture. Okay ? Et Melvin Conway se demande s'il n'existerait pas en fait une relation entre la structure du système et celle de l'organisation qui la design. Et on va faire un petit exercice que vous allez pouvoir répéter dans vos organisations, vous allez voir, ça marche à tous les coups. Conway remarque que dans une organisation, on va très facilement trouver pour chacun de ces systèmes une équipe qui va être en charge de son design, son implémentation, sa mise en prod, etc. etc. Ce qu'il remarque aussi, c'est que pour que le système puisse fonctionner, certains de ces sous-systèmes vont devoir s'interfacer. Et si deux sous-systèmes doivent s'interfacer, alors les équipes qui en sont en charge vont devoir communiquer de manière assez formelle ensemble pour négocier un contrat d'interfaçage et notamment gérer les problèmes d'interfaçage entre ces équipes, entre les systèmes de ces équipes. Généralement, et surtout dans les grandes organisations, cette communication est coordonnée par une coordonnatrice ou un coordinateur qui aujourd'hui on appellerait Product Owner ou Scrum Master. Ce qu'il remarque aussi, c'est que si vous avez deux sous-systèmes, comme ici Shopping et Billing, qui n'ont pas d'interface, les équipes qui en sont en charge n'ont pas plus besoin que ça de communication formalisée. Donc le docteur Melvin Conway démontre qu'il existe une relation assez étroite entre la structure du système et celle de l'organisation qui la design. Il n'est pas rare que dans certains cas, vous ayez une équipe en charge de plusieurs sous-systèmes ou inversement, plusieurs équipes sur le même sous-système. Dans ce cas-là, vous avez une version compactée d'un côté de la structure de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, cette relation s'appelle un homomorphisme. Et on pourrait croire qu'il n'a pas inventé le chaud en disant ça, mais le homomorphisme va avoir des propriétés qui vont, si on ne les comprend pas, nous embêter. Pour vous expliquer ça, partons en fait d'une entreprise qui aurait décidé d'une organisation comme celle-ci. Elle, au tout début, en fait, elle n'a pas encore défini la solution qu'elle voulait implémenter. On part d'un besoin. Donc le but d'une organisation à partir d'un besoin, c'est de lister toutes les solutions imaginables et de les comparer selon leurs avantages et leurs inconvénients pour choisir la meilleure solution. Maintenant, faisons comme si nous étions omniscients.
et omnisciente. On va lister toutes les, arbitrairement, on va dire toutes les solutions possibles. Et admettons que la deuxième solution en bas est la meilleure. Si on les compare, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'il y a ici une interface entre le système user et billing et un système checkout qui n'existe pas en haut là. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette organisation va être en mesure d'imaginer et de choisir ce deuxième design qui est le meilleur ? Ce qu'on remarque, c'est que, eh bien, il n'y a pas de communication formelle entre user et billing et il n'y a pas d'équipe checkout. Donc si on applique la règle de l'homomorphisme, cette organisation va être contrainte de produire le premier design. Mais pourquoi ? Simplement parce que les équipes user et billing n'ont pas conscience qu'en discutant entre elles, elles pourraient en fait imaginer un meilleur design pour le système en trouvant un besoin d'interfaçage. Mais le plus problématique, c'est plutôt le côté shopping et paiement, où là, en fait, le management a décidé d'avoir des regroupements sur des scopes, ce qui va énormément polariser la manière de réfléchir de ces équipes. Donc des intersections comme des responsabilités comme checkout qui se verraient diffusées entre elles, elles ont énormément de mal en fait à les faire émerger. Quelque part, ici, on vient de créer un truc qui s'appelle un silo. Donc en fait, ce que dit Conway, c'est que le fait même de choisir une organisation signifie qu'on a fait de manière consciente ou non des choix de design. Et que ces choix d'organisation vont, par construction, potentiellement exclure des designs qui peuvent être meilleurs. Pour donner un exemple, Melvin Conway parle d'une structure qui, dans les années 60, devait développer un compilateur COBOL et un compilateur ALGOL. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un compilateur ? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est un compilateur ? Ok. Oui, alors un compilateur, c'est ce qui transforme du code source en langage machine pour exécuter un programme. Donc, pour des soucis de budget et de timing, cette structure s'est scindée en deux, avec 5 personnes sur le compilateur COBOL et 3 sur le compilateur ALGOL. Donc COBOL et ALGOL sont des langages différents. Et il s'avère que, en résultat, le compilateur COBOL s'exécutait en 5 phases, alors que le compilateur ALGOL en 3. Alors que ce sont des logiciels qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Alors il s'avère que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. En 1996, Tom Cheatham explique que si vous demandez à 5 personnes de faire un compilateur COBOL, celui-ci s'exécutera en 4 phases au lieu de 5, simplement parce que il faut bien que quelqu'un fasse le manager. Mais revenons maintenant... Mais en fait, dans les propriétés de l'homomorphisme, il y a des problèmes encore un peu plus vicieux. Pour vous expliquer ça, généralement, ce que dit Conway, c'est que, et des choses que vous pouvez observer, c'est qu'au début d'un projet, on part d'un besoin et on va mettre un petit groupe de gens dessus parce qu'on va, on ne sait pas encore où on va et on veut éviter de se marcher dessus. Généralement, il y a toujours un manager pas loin. Et un manager sait que s'il existe des contraintes en termes de timing et de budget, ce qui est très souvent le cas, on va lui reprocher une faute de management s'il avait à sa disposition des gens qu'il n'a pas mobilisés en fait, au cours du projet, en tout cas à certaines phases du projet. Ce qui va amener une forme de pression sur les designers initiaux du système qui préféraient continuer à se battre avec la complexité du besoin, la réduire afin de trouver une solution optimale au problème. Au lieu de déléguer et de morceler le savoir avec plein de groupes différents. Mais comme généralement le management juge qu'il est risqué de procéder ainsi, ils vont se voir renforcer et renforcer encore pour maximiser les chances d'atteindre la deadline. Ça, c'est lié, selon Conway, à une croyance qui est que le travail est quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que le travail de 2 personnes sur 4 mois est équivalent au travail de 4 personnes sur 2 mois. Et pour se moquer de ça, en fait, Dr. Frederick Brooks, dans Mythical Manons, explique qu'une grossesse humaine, ça prend 9 mois, quel que soit le nombre de femmes assignées à la tâche. Alors désolé pour la remarque, ça date de 75. Mais vous avez compris l'idée. Donc si on revient à notre structure qui a fortement grossi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, généralement, en entreprise, il y a des règles RH, des règles d'organisation. Alors, je ne sais pas si... dans vos entreprises, il y a des histoires de double pizza team ou ce genre de choses. Mais admettons là qu'il y ait des règles comme 2 personnes par équipe, un manager par équipe, pas plus de 2 équipes par manager, etc. Donc ça veut dire que mécaniquement, en fait, une organisation va prendre forme. Et une fois que l'organisation va prendre forme, eh bien, elle sera forcément utilisée. Donc là, en fait, on a une organisation avant même de savoir exactement
ce qu'on veut produire, enfin la solution qu'on veut produire. Et ce qui fait que le besoin, là, on va devoir le répartir. Donc il va être arbitrairement scindé et encore scindé pour que tout le monde ait un petit bout du problème. Et en final, plus personne n'a une vision globale de ce qui se passe. Ce qui fait que des intersections comme la zone en grise ici, les équipes vont avoir du mal, encore une fois, à les détecter, parce que là, on a encore créé une forme de silotage. Donc ce que dit le docteur Melvin Conway, c'est qu'il n'existe pas de groupe de design et de qui est à la fois organisé et non biaisé. Alors il s'avère qu'il décrit aussi bien Pierre. Il explique que la qualité de la communication s'est désintégrée au moment même où il y a eu délégation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi l'impact de ça? En fait, les designers initiaux, ils ont dû prendre de la hauteur pour accueillir les nouvelles et les nouveaux entrants, en fait, pour leur déverser leur savoir. Et notamment, comme ce sont les sachants-sachantes, ils vont devoir coordonner les nouvelles personnes, etc., etc. Donc elles vont prendre de la hauteur par rapport à l'analyse du besoin. Si on prend deux personnes dans des équipes hiérarchiquement éloignées et qu'elles doivent se mettre d'accord pour notamment négocier une interface, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, quelles sont les règles en vigueur en entreprise? Comment? Oui, on escalade. C'est-à-dire qu'on va remontrer la chaîne de délégation en appliquant des personnes qui se sont éloignées de l'analyse du besoin. Et si ces personnes-là n'arrivent pas à se mettre d'accord, on va encore remonter un échelon, etc., en appliquant des personnes qui sont des fois très loin de l'analyse du problème, et des fois même plus techniques, et à qui on va demander de faire des choix en 30 minutes, en une heure. Donc on peut imaginer que c'est assez difficile d'avoir des choix qualitatifs quand on en arrive là. Mais ce que dit Conway, c'est qu'au final, dans une organisation, la structure de communication va tendre vers sa structure administrative, et par règle d'homomorphisme, ça va se refléter dans le système produit. Et c'est pour cela que les militaires ont tendance à produire des systèmes qui ressemblent à leur organisation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du COBOL, mais un programme COBOL, c'est organisé comme un régiment, en division et en section. Et c'est pour ça que ça vient de... c'est organisé comme ça. Donc ce que dit Conway, c'est que la structure des grands systèmes tend à se désintégrer pendant le développement qualitativement plus que celle des petits systèmes, à cause de cette histoire de désintégration de la qualité de la communication et qui va se refléter dans le système produit. C'est très bien schématisé par le docteur Frederick Brooks, où en fait il expliquait qu'à l'époque où on avait 3 personnes dans notre organisation, il y avait 3 canaux de communication. Mais quand on est passé à 11, on n'est pas passé à 11 canaux, on est passé à 55 canaux. Ce qui veut dire que l'effort de communication n'est pas linéaire, et par conséquent, l'effort du travail non plus. Et on a vu qu'un système produit par 11 personnes n'allait pas avoir, enfin, designé par 11 personnes ne va pas ressembler à un système designé par 3 personnes. Et ce que dit Conway, d'expérience, c'est son avis, mais il dit que 3 personnes bien choisies vous designeront un meilleur système que 11, notamment parce que toutes les hypothèses qu'on fait de parallélisme lorsqu'on épluche des pommes de terre partent en fumée lorsqu'on design des systèmes. Et ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens. Mais je suis d'accord. Et au final, en fait, cette tendance qu'on va avoir à rajouter des gens pour maximiser les chances d'atteindre un deadline va faire grossir l'organisation sur sa forme bureaucratique avec des surcoûts de communication et de synchronisation. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. D'ailleurs, Conway explique qu'au bout d'un moment, il va être nécessaire de restreindre la communication pour faire en sorte que les gens puissent faire leur travail. Qui ici s'est déjà plaint d'avoir trop de cérémonies ou trop de réunions? Bon, c'est tout le monde. Bon, maintenant qu'on sait ça, attention, je préviens, c'est un troll. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce framework d'agilité at scale, SAFe, c'est des graphes complets de communication et de synchronisation avec plein d'intermédiaires de coordination de communication et complètement agnostique de ce que vous allez produire. Donc, qu'est-ce que ça, c'est censé. Enfin, si on applique la règle de l'homomorphisme là-dessus. Voilà. Alors, ce que dit la loi de Conway, parce que là, on vient de voir la démonstration, c'est que les organisations qui designent des systèmes sont contraintes de produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. C'est pour cela que tout à l'heure, quand vous êtes arrivé sur le site de McKinney, vous avez d'abord découvert leur hiérarchie en partant du haut, et plus vous vous enfonciez dans le site, et c'était très notable, et bien plus vous descendiez l'organigramme. La deuxième chose que vous avez appris, c'est leur structure matricielle,
hein, en pôle sectoriel et fonctionnel, alors que bon, c'est pas ce qui vous intéresse. Là, c'est un très bon exemple en production d'endroit où la structure de communication a tendu vers leur structure administrative hiérarchique et qui s'est reflétée dans le système produit. Dans le cas du site de voyage en ligne, bien qu'on ait décidé d'une architecture qui soit agnostique des trains nationaux pour éviter les duplications de développement de fonctionnalités, il a été produit l'inverse, notamment parce que l'organisation était orthogonale en fait, à ce qu'on voulait produire. Et dans le cas de Windows Vista, les chercheurs ont démontré que la qualité de l'organisation avait un impact très fort sur la qualité de ce qui était produit. Et ça, c'est un effet homomorphique. C'est que la qualité d'un côté va se refléter de la qualité de l'autre. Et pour vous donner plus d'informations là-dedans, qu'est-ce qui se cachait derrière Organizational Structure ? Ils ont vérifié 8 postulats. J'en ai mis que 3. Donc dans ces postulats, il y a le fait qu'une grande perte des membres de l'équipe affecte la rétention de connaissances et donc la qualité. Plus les contributeurs à un composant appartiennent à la même équipe, plus grande est la qualité. Plus la personne qui a le pouvoir de prendre une décision sur le composant est proche hiérarchiquement des ingénieurs qui l'éditent, meilleure est la qualité. Donc en gros, là, on est vraiment aux antipodes de la désintégration de la communication que expliquait Conway. Coïncidence ? Je pense pas. Je pense pas parce qu'ils ont... Ils ont formalisé en fait l'étude expressément pour ça. Donc, sommes-nous condamnés à subir la loi de Conway ? Alors, malheureusement, oui. Mais on peut apprendre à mieux maîtriser ses effets. Ce qu'explique Conway, c'est que l'effort de design doit s'organiser selon le besoin de communication. C'est-à-dire qu'on part d'un besoin, on va le réduire en sous-besoin, ce qui va nous permettre de faire émerger des sous-systèmes. Ces systèmes, on va analyser comment ils doivent s'interfacer pour que le système global fonctionne. Et à partir de là, on va définir une organisation de telle manière à ce qu'on restreigne au maximum en fait, les canaux de communication pour s'assurer que le travail soit fait, hein, en se calquant justement sur les besoins d'interfaçage. Cependant, on sait que généralement, le premier design choisi n'est jamais le meilleur. Et puis, les besoins vont évoluer, ce qui implique que cette organisation va devoir être flexible dans sa structure de communication et d'organisation pour pouvoir designer efficacement. Et en disant ça, en fait, Melvin Conway vient de décrire une méthode d'organisation et de design qui sera appelée plus tard en 2010 en Inverse Conway Maneuver, donc en manœuvre de Conway inverse. Donc ça, c'est un nom qui a été trouvé par Johnny Leroy et Matt Simmons en 2010 dans un article qui s'appelle Dealing with Tricky Legacy Platforms. Elle explique que généralement le manque d'efficacité en entreprise est lié aux silos qui existent. Il devient primordial de trouver un moyen de briser ces silos en se réorganisant et en changeant sa manière de communiquer. Cependant, il n'est pas toujours réaliste de changer l'organisation pour plein de raisons différentes. Et rappelez-vous que c'est la structure de communication qui va se refléter dans le système produit et pas directement la structure de l'organisation. Et vous allez avoir plus de leviers sur la manière dont les gens communiquent que d'aller attaquer le sujet épineux de la réorganisation. Cependant, en 2015, grands essors des microservices dans l'IT zone. Et là, on a James Lewis, Technical Director chez Southworks, qui explique qu'en fait, une organisation devrait se focaliser sur une structure qui correspond à ce qu'elle cherche à produire, plutôt que demander à des équipes déjà constituées à suivre une architecture sur papier, parce que bizarrement, ça ne marche jamais. Donc, sans être des inverse Conway Maneuver, on a quand même d'autres observateurs dans l'IT zone qui partagent en fait ces constats. En 2017, Jan Bosch, qui est professeur au Chalmers University of Technology et ancien VP du Nokia Research Center, publie un article qui s'appelle Structure It Strategy, où il explique le modèle BAPO. Donc BAPO, il explique que les entreprises devraient d'abord se focaliser sur la manière de créer de la valeur et sur la manière de générer du revenu. Ça, c'est le B, le business. À partir de là, on devrait définir une architecture qui supporte justement ces besoins métiers. Puis, définir les process qui permettent de réaliser cette architecture. Et enfin, définir, une fois qu'on a le B, le A et le P, l'organisation qui permet de réaliser tout ça. Et ce qu'il remarque, c'est que généralement, les entreprises ne sont pas BAPO, mais OPAB. C'est-à-dire qu'elles partent d'une organisation existante, préexistante, et définie par pure convenance des process. Notamment, on a Jean-Pierre qui est validateur, donc on va avoir des process de validation. Et ça va créer une architecture accidentelle,
qui sera plus drivé par le passé de l'entreprise que par son futur et qui mécaniquement va grandement limiter les capacités d'innovation business en fait de l'entreprise. Et ce qui est très notable, c'est que si on revient un peu dans le passé, encore en 98 avec le docteur Nigel Bevan, il listait dans son papier 5 étapes pour s'assurer de bien designer ses sites web et notamment pour se prémunir du problème qu'on a vu au début avec les intérêts de l'organisation qui sont reflétés dans le site au lieu des besoins d'utilisateurs. Et ces 5 étapes sont directement mappables sur le modèle BAPO. Donc en gros, pour vous dire ce qu'il mettait dans management, il disait qu'une fois que vous savez quelle page vous devez avoir, quelle technologie sur chacune des pages, si c'est du statique, du dynamique, etc., est-ce qu'il faut faire du CSS ou pas, bah là vous allez définir quel type de profil vous avez besoin dans vos équipes, et pas l'inverse. Donc, maintenant qu'on connaît tout ça, qu'est-ce qui nous permet en fait, nous, en tant que personne dans la tech, de gérer la loi de Conway de manière un peu plus globale? Pour traiter du B et du A, on a ce qu'on appelle le domain-driven design. Ça, c'est une philosophie qui remet au cœur du développement logiciel l'intérêt du business métier et partir de l'analyse du métier avant de se lancer dans l'implémentation. Ça ne concerne pas que les développeurs et les développeuses. Donc, c'est pour ça ici que j'en parle. Donc, ça a été formalisé en 2003 par Eric Evans. Donc, de quoi ça parle? Il s'avère qu'en fait, le domain-driven design veut séparer deux espaces, l'espace du problème de l'espace des solutions. Parce que malheureusement, il existe un biais quand on parle à des ingénieurs, c'est que quand on pense analyser le problème, dans notre tête, on est en train de construire une solution. Et on fait déjà des choix technologiques qui font qu'on va potentiellement dire à des experts du métier, « Ah non, ça va être compliqué à faire. » Ah, parce qu'on imagine faire du reste dans nos têtes et au final une autre technologie aurait permis de réaliser le besoin métier plus facilement. Donc le domain driven design sépare ces deux espaces et offre des patterns qu'on appelle les patterns stratégiques pour évoluer dans chacun de ces espaces-là. Donc espace du problème, c'est le business, espace des solutions, ce sont les architectures. Donc pour traiter du business, on va faire ce qu'on appelle du knowledge crunching. Donc c'est très simple, on prend les experts, les expertes du domaine métier, on les met dans une salle avec les personnes qui vont être en charge de designer le système. Et ces personnes devraient avoir des profils pluridisciplinaires. Hein, donc UX, PO, développeur, développeuse, etc. etc. Et il n'y a pas besoin d'une organisation pour ça, spécifique. Alors comment on réalise ça? On le fait au moyen d'un event storming qui a été inventé par Alberto Brandolini. C'est un atelier qui est très simple, où on va lister tous les événements qui ont de l'importance pour le métier, on va les organiser sur une timeline, et ça va nous permettre de modéliser des flux de création de valeur. Donc ici, on a des flux de création de valeur sur un site e-commerce. Et à partir de là, on va voir comment les concepts métiers évoluent et évoluent ensemble. On va voir qu'au bout d'un moment, dans la timeline, il y en a certains qui vont disparaître. Ça va nous donner des frontières, comme ceci. Et ça, en fait, dans le jargon du DDD, ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle les bandits de contexte. Mais dans le jargon de l'ingénierie, enfin des systèmes d'ingénierie, ce sont des sous-systèmes. Et à partir de là, on va pouvoir faire de l'architecture. Parce qu'il n'est pas suffisant en fait de connaître l'ensemble de ces sous-systèmes, il faut analyser la manière dont ils doivent s'interfacer. Et là, on va disposer de quelque chose qui s'appelle le context map. Et ça, c'est une manière d'architecturer, on va dire, qui est, j'allais dire, originale. Mais en fait, elle permet de traiter, on va dire, les effets de la loi de Conway, alors que les autres méthodes d'architecture ne le permettent pas. C'est-à-dire qu'ici, on va s'intéresser sur la manière dont les sous-systèmes doivent s'interfacer. Notamment ici, ce que ça dit, parce que là, pour l'instant, vous ne connaissez pas la nomenclature, mais c'est que le système paiement a besoin de s'interfacer avec Shopping, et Shopping expose un open-source service, aujourd'hui, qu'on appellerait une API. Paiement, pour s'assurer d'être protégé des changements internes de Shopping, va avoir un anti-corruption layer ici. Ce qui fait que quand on va changer le modèle de Shopping, paiement ne sera pas impacté dans ses internes. Ce sera localisé dans un SaaS, ici. Et pour ceux qui connaissent l'architecture hexagonale, vous voyez de quoi je parle, hein, c'est l'anti-corruption layer. Bon, ça, c'était un petit peu technique. Mais on va aller un petit peu plus loin parce qu'on va analyser les besoins métiers vis-à-vis de ces contextes et leurs relations de force. On va les caractériser. Donc, il y a plusieurs caractéristiques, mais je vous en citer juste une là pour que
Vous voyez de quoi on parle. Notamment quand on définit que deux contextes métiers comme ça, enfin deux sous-systèmes, sont mutually dependent, ça veut dire que s'il y en a un qui échoue, les deux échouent ensemble. Pourquoi ? Bah, simplement parce que shopping, si vous pouvez mettre des choses dans votre panier et que vous ne pouvez pas payer, ça ne sert à rien. Et si vous pouvez payer et vous n'avez rien pu mettre dans votre panier, ça ne sert à rien non plus. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va commencer aussi à mapper la manière dont les équipes qui sont en charge de ces systèmes interagissent ensemble. Donc il y a plusieurs caractéristiques d'interaction entre équipes, mais imaginons que vous vous rendez compte qu'elles sont dans une relation supplier-customer. Supplier-customer, ça veut dire que l'équipe qui est en charge du système paiement, là, va devoir faire prioriser dans la backlog de l'équipe shopping ses besoins. Mais est-ce une bonne idée dans ce cas-là ? Parce qu'ils sont mutuellement dépendants. Et quand on est dans une relation supplier-customer, ça veut dire que shopping va être en mesure d'arbitrer les besoins en fait, de paiement. Mais ce n'est pas réellement dans son intérêt, parce que le succès en fait, de paiement, son succès dépend du succès de paiement. Donc elle a plutôt intérêt de forger un lien de partnership qui va changer la caractéristique de la manière dont ils vont travailler ensemble. Ces équipes vont devoir travailler plus conjointement. Quand je parle de succès, ça veut dire plusieurs choses. C'est le succès de réussir à développer le système, le succès de est-ce que ça plante en prod ou pas, et le succès de est-ce que c'est un succès commercial. C'est vraiment un succès au sens général. Et à quoi ça sert en fait ce genre de schéma ? Eh bien, ça permet de montrer des orthogonalités entre la structure de l'organisation et de communication vis-à-vis des besoins métiers. Alors attention au raccourci, c'est-à-dire quand on était là, c'est pas toujours un problème. Je peux pas vous expliquer là pourquoi, mais c'est pas toujours un problème. Il faut l'histoire qui va avec, d'accord ? Il faut toujours relationnaliser en fait aux besoins de l'entreprise. Donc le domaine driven design. Ça va vous permettre de cartographier le business avec un event storming, faire émerger les sous-systèmes qu'on appelle bounding context et mettre en lumière les rapports de force entre les systèmes et les process de communication des équipes. Alors, il y a tout un pendant du domaine driven design qui va parler plus au profil dev qui dit comment on structure du code quand on veut être aligné avec le métier, ce qu'on appelle les patterns tactiques. Je ne vais pas du tout en parler là, mais sachez que ce n'est pas que ça, parce que des fois les gens réduisent le DDD à ça. Donc, le truc, c'est que le DDD, ça ne va pas donner beaucoup de billes sur comment s'organiser. Une équipe par sous-système, plusieurs équipes par sous-système ou inversement, ça ne vous dit rien là-dessus. Et ça ne traite pas en fait des équipes qui sont moins alignées avec le métier de l'entreprise. Mais par exemple, je vous parle là des équipes qui sont plus support, qui traitent de ce qu'on appelle la complexité obligatoire, notamment les équipes ops, qui vont définir nos infrastructures. Alors, si vous êtes un cloud provider, ces gens-là vont travailler sur le métier de l'entreprise. D'accord ? Mais quand vous vendez des billets de train, les ops ne travaillent pas sur le métier de l'entreprise. Mais c'est normal. Mais là, le DDD va avoir du mal à traiter en fait, ces équipes-là. Mais heureusement pour nous, en fait, en 2019, sort Team Topologies de Matthew Skelton et Manuel Pais, qui va traiter du P et du O, du process et de l'organisation. Donc, en fait, c'est un pattern dynamique d'organisation et de communication. L'une des choses les plus importantes qu'ils disent, c'est qu'il faut limiter la taille des systèmes à la charge cognitive des équipes. Quand on parle de charge cognitive, c'est le fait que les équipes doivent designer, implémenter, mettre en prod, maintenir les systèmes. Pourquoi il faut limiter les systèmes à leur charge cognitive ? Simplement parce que si leur charge cognitive est trop importante, ces équipes vont se noyer, ils vont avoir du mal à être efficaces. Et ça, en fait, c'est un pendant où c'est un véritable twist, parce que d'habitude, on a un système qui a une certaine complexité et on va mettre autant de gens dessus qu'il faut pour réussir en fait, à matcher la complexité. Vous voyez ? Là, c'est l'inverse. C'est plutôt, on a des équipes et on va plutôt limiter en fait, la taille des sous-systèmes à leur charge cognitive. Pour traiter justement de l'organisation, et je vous ai dit que c'était un pattern dynamique, je vais vous faire une toute petite démonstration en prenant certaines typologies d'équipes. Revenons à un autre cas au début où on avait les équipes shopping et paiement avec cet état du système. Et reprenons le cas où il y avait des responsabilités diffuses. Admettons que les équipes qu'on appelle ici des stream aligned teams là, se rendent compte qu'elles sont déjà en train de faire un petit peu de duplication entre elles, à cause du fait qu'un système checkout n'a pas émergé. Team Topologies va théoriser une manière d'interagir qui s'appelle la collaboration. Alors dit comme ça fait très tautologie,
Mais en fait, c'est vraiment un pattern où la collaboration, en fait, c'est une phase où les équipes vont travailler étroitement ensemble, donc forger un lien de partnership, où leur charge cognitive va grandement augmenter. Pourquoi? Parce qu'elles vont devoir trouver une nouvelle solution pour redesigner le système pour qu'il soit plus efficace. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour elles, généralement. Hein, c'est un problème qui n'est pas très commun, on va dire. Mais elles vont continuer, pour autant, à maintenir leur système en production et à potentiellement continuer à développer de la feature dessus. Ce qui veut dire que cette phase de collaboration, on va essayer de la restreindre au maximum. Donc, généralement, elle va durer quelques semaines au grand maximum. Mais une fois que ces équipes ont défini, eh bien, l'architecture idéale, on va dire, du système, eh bien, là, on va commencer à se poser des questions. Est-ce que là, en disant que bah, là, il nous faut vraiment un système check-out, est-ce que ce système-là, il est trop compliqué pour entrer dans la charge cognitive d'une des deux équipes? En même temps que c'est trop compliqué, ce que dit Team Topologies, bah là, on va pas avoir trop de choix. Il va falloir faire émerger une nouvelle Streamline Team qui va s'occuper du nouveau système check-out. Soit en priochant dans les deux équipes, soit pas forcément de recrutement, etc., etc. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que comme on a des besoins d'interfaçage qui ont été identifiés entre shopping, check-out et paiement, eh bien, on va pouvoir rentrer dans une autre forme d'interaction d'équipe qui s'appelle X as a service. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'équipe shopping fournit un service humain à check-out de telle manière à ce que déjà l'API qu'elle va potentiellement fournir sera documentée de telle manière à ce que l'équipe check-out puisse être assez autonome dans son intégration. Mais ça va plus loin que ça, parce que ça veut dire aussi que Shopping doit avoir mis de manière interne tous les process qu'il faut pour prendre du feedback des équipes check-out et potentiellement corriger les problèmes qui leur viennent, etc. Mais fait d'une telle manière à ce qu'on va restreindre au maximum eh bien, ce canal de communication pour pas qu'elle soit trop en fait, en train de se marcher dessus. En fait. Donc, parce qu'elles peuvent avoir des objectifs qui vont différer parce qu'elles servent d'autres équipes, etc., etc. Donc, c'est juste une petite démonstration de ce côté dynamique de Team Topologies. Il y a trois manières d'interagir dans Team Topologies et quatre typologies d'équipes. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de tout ça. Je vous invite à aller regarder du côté de Team Topologies. Il y a plein de talks déjà en ligne là-dessus. Il faut savoir que c'est un pattern qu'utilise Docker aujourd'hui, si vous voulez un use case en prod. Alors, on a vu qu'on était capable maintenant de mieux gérer les effets de la loi de Conway. Avec une inverse Conway Maneuver, moi je vous parle du modèle BAPO parce qu'il est un peu plus générique, mais on peut l'implémenter grâce au Domain Driven Design et Team Topologies. Et si vous êtes sceptique, il y a une étude scientifique qui date de 2018 qui s'appelle Accelerate, hein, qui étudie eh bien, la performance opérationnelle des équipes et cette étude apporte son soutien à l'efficacité des manœuvres de Conway inverse. Cependant, ce n'est pas une baguette magique. Comme le dit Mathias Verras dans son article, il explique que le fait de vous réorganiser, de changer votre organisation, ne va pas vous garantir de produire la structure désirée du système. Pourquoi? Parce que si votre système existant est rigide, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, ça ne changera rien. Il faut d'abord travailler sur l'assainissement du système pour qu'il puisse accepter la modification pour penser à se réorganiser. Et n'oubliez pas qu'une réorganisation, ça coûte cher. Donc il ne faut pas dégainer cette carte tous les mois, parce que c'est compliqué. Après, il y a des patterns dans certaines entreprises comme Valve, où en fait, là, les équipes sont très dynamiques. Bon, après, ça apporte d'autres problèmes, mais qui permettent en fait de peut-être des fois de designer de manière plus efficace. Il faut voir la loi de Conway comme une contrainte qui va s'appliquer à ce qu'on fait, et la manœuvre de Conway inverse comme un moyen, hein, qui n'est pas une silver bullet. Donc, si vous pouvez toucher à l'organisation en prenant en considération le change management et le coût que c'est humainement, bah, tant mieux, mais faites attention. Sinon, touchez aux canaux de communication en essayant c'est un levier qui est plus simple. Et si vraiment ça, vous ne pouvez pas avoir d'effet dessus, bah, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de faire des trade-offs sur l'architecture et pas faire 50 milliards de microservices. On ne sait pas qui va les maintenir. Et potentiellement, prenez conscience que ça va avoir un impact aussi et un trade-off sur ce qu'on peut réaliser en termes de business.
Donc, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach chez Shodo, qui est une ESN parisienne, nantaise et maintenant lyonnaise, spécialisée dans le software craftsmanship et le domaine driven design. Et dans ma grande bonté, je vous ai ramené à CPE Lyon, mais faites attention à vos croyances parce que vous risqueriez sinon d'être bloqué à tout jamais dans l'IT zone. Merci.